Trois footballeuses internationales à SNU qui ont joué dans la première division féminine en France, n'a parlé de Melki Dumoné, surnommé Coventina, Nerilia Mondésir, surnommé Nerigol, et Batsheba Lui. Toutes trois joueuses ont joué une distinction par eux de la part du consulat haïtien en France. Précisément, n'a parlé de consulat haïtien, hein, qui c'est James Wofele Jules, dans le moment journée nationale diaspora. Deux footballeuses qui étaient présentes, Coventina avec Batsheba Lui, ils n'ont pas de caché joie après qu'ils ont fini de recevoir la distinction d'honneur. Avec un pile contentement et fierté, parce que en plus, pour que Yodim Coven continue à travailler, continue à avancer et nous faire de haut, donc c'est comme ça que je me prends. Et ça fait un plaisir de continuer à travailler jusqu'à ce que je arrive dans le niveau que je manque à tête moi et me sourire. Je suis content, oui, je suis fière et honorée parce que je suis choisi prendre du temps. Tous deux mesdames, yo reconnaître, c'est pas un cadeau, c'est pour travail. Yo tout profiter, voyez encouragement pour toutes jeunes pareilles, yo qui croient dans rêve et qui croient aussi dans travail et faut que pas jamais décourager. Yeah, parce que c'est pas la première division que j'ai ici. Normalement, je viens depuis bas, deuxième division, de faire plusieurs années, de toujours là, à travail, à monter le talent, le souterrain, à travail, là quand même, les mon power. Coup du monde l'arrivée, yo fait qu'on est, yo pral fait tout ça qui est possible pour yo porter bon gens nouvelles dans la Coupe du monde féminine ça. Et yo déclaré tout, c'est pas une simple représentation que yo pral fait. Mesdames, yo remercie le public là qui supporte yo en pile et yo fait qu'on est, y a continué tracer histoire yo avec football là pour yo capable faire quel public haïtien content en pile. On a joué championnat l'année, la fin du championnat nous, mais nous toujours insister fixé sur objectif ça. Nous t'ai objectif pour nous t'es capable de qualifier, nous faire, mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que c'est pas juste qualifié et du tout pour nous satisfaire. Nous pouvons satisfaire, nous pouvons continuer de travailler pour nous capables de bien représenter Haïti dans la Coupe du Monde. On ne peut pas dire que nous devons juste participer. Ils ont bien pour que nous soyons en forme et faire une bonne entrée dans la Coupe du Monde. Non. Donc, nous avons préparé vraiment sérieux parce que nous connaissons que nous avons un groupe qui est assez difficile. Nous sommes conscients de ça et nous travaillons davantage pour être performants. J'aime ce Franklin Edouard, depuis la Ville Lumière, Paris, pour la Voix de l'Amérique, Créole.